Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette petite séance un peu particulière. Hein. Vous voyez, on est entre amis ici, on est entre potes, on discute entre nous. C'est un peu ça, le coaching, c'est une petite équipe de personnes où on essaie chacun de s'aider et de s'entraider. Merci Georges pour ta réponse. Hein. Georges qui est quelqu'un qui tient un magasin de costumes et j'ai rendez-vous pour un costume aujourd'hui à 13h pour un mariage. Voilà. Donc je ne savais plus si c'était 13h ou 16h. Enfin, bon. Voilà, c'est des trucs qu'on discute entre nous. Hein. Chacun, les gens qui sont là sont des habitués. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont là pour la première fois. Vous allez voir, on est là détente, on essaye de travailler ensemble. Alors ces séances coaching, qu'est-ce que c'est? C'est des séances où j'essaye d'expliquer un peu un petit point de la technique que moi j'utilise au quotidien pour essayer de trouver des actions qui doivent normalement performer avec du succès ou sans succès. Ça dépend un petit peu des évolutions de marché. C'est pas moi qui décide de tout. Et donc on est là un petit peu, merci Georges, on est là tous pour essayer ensemble de trouver des bonnes choses. Donc bienvenue à ceux qui n'ont jamais assisté à ces séances privées. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des exemples et on essaie ensuite également de voir les actions qu'on a dans notre suivi coaching, voir comment elles évoluent par rapport à la théorie que j'essaie d'expliquer. Alors, vous avez vu le cadeau de Elon fait à Ludo pour l'anniversaire. Ouhou, Virgin Galactic. Tout le monde sait que depuis des années, je suis positionné sur Virgin Galactic. Si vous l'êtes, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, ben, on va voir ensemble également si ça vaut la peine ou pas. Mais ben, ça sera pour la deuxième, le deuxième live qui est à 11h et qui est le live habituel public où Virgin Galactic sera analysé. Voilà, Thierry qui est là pour la première fois, Laurent qui est là pour la première fois, ben, bienvenue à ceux qui sont présents pour la première fois. Donc vous êtes là, le site Badger Investor, vous connaissez, ancienne version, nouvelle version qui arrivera en septembre avec les explications que j'ai déjà données. Donc on arrive au bout de cette semaine anniversaire, il y a eu des lives tous les jours, parfois il y en a eu deux, parfois il y en a eu trois, il y a eu des cadeaux, il y a eu des promos et pour les nouveaux qui sont présents aujourd'hui, il y aura également une promo. Si ce genre de séance vous intéresse, vous plaît, eh bien il y aura moyen également de nous rejoindre pour les prochaines semaines. Donc c'est tous les samedis matin à 10h, sauf si je suis au bord de la plage ou en congé, de manière générale, ça se fait tous les samedis matin, même quand ProRealTime est en entretien, on va dire, ben, j'essaye de faire quelque chose. Parfois, j'annule la séance parce que j'ai pas d'idée. Et également, ces séances sont alimentées par vos demandes. Donc, courant de la semaine, des gens me posent des questions, me demandent, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu fais pour ça, pour ça, pour ça? Et le samedi, j'essaye de faire une séance qui intéressera le plus de gens. Donc voilà, on est une quarantaine de personnes, c'est déjà pas mal. On va pouvoir commencer ensemble un peu tout ça. Alors, tout d'abord, tac, tac, voilà le Belgian Coaching du 26 juin. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. On va parler de quoi? On va parler du trading par rapport aux moyennes mobiles. C'est un outil tout simple qu'il faut simplement pouvoir observer, comprendre et utiliser. Et si vous aviez observé les moyennes mobiles, vous auriez pu faire le coup de Virgin Galactic parce que les signaux étaient très très clairs. On va d'ailleurs le prendre comme exemple. Donc tout d'abord, l'information sur les risques, je suis obligé de vous donner cette information à chaque vidéo, c'est une obligation, parce que le marché comporte des risques et de pertes et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que j'explique ici, ce sont simplement des avis personnels sur une évolution potentielle du graphique. Ensuite, c'est à vous-même de faire votre propre avis, à faire vos propres calculs. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser des comptes démo afin de tester vos stratégies, ma stratégie, un mélange des deux, un mélange d'autre chose, voilà. Moi, ce que j'explique, ce sont des bases d'analyse technique. Ensuite, c'est à vous à essayer d'utiliser ça au mieux ou peut-être de mélanger avec autre chose. ouais, les cernes, oui, d'accord, j'ai des cernes. Bon, c'est peut-être bien la soirée d'hier, peut-être, hein, pas tellement le travail. Alors, il faut parfois savoir aussi se détendre, même si hier, j'étais encore sur le feu avec Meet4You, l'actu des cryptos avec Julie. On était là encore jusqu'à 19h avec vous. Et voilà. Alors, les principales configurations que moi j'utilise en analyse technique. Donc j'utilise les configurations de bougies japonaises, c'est important pour pouvoir estimer la tendance, prendre des décisions. Les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, on va voir ça aujourd'hui. Les canaux de tendance, les supports résistance, les fourchettes de Andrews, divers indicateurs pour connaître l'évolution du graphique, les calculs d'objectifs, le suivi des positions par des stop loss et un petit peu de money management. Voilà en résumé toutes les notions que j'essaie d'expliquer au fur et à mesure des semaines qui passent. Parfois, on fait des séances aussi spécifiques sur certains produits comme le turbo. On explique le turbo, comment ça fonctionne, comment l'utiliser, comment bien le choisir. Voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on essaie de faire ensemble.
Moi, je suis le plus loin, peut-être un cadeau également. Ah bon, Cyril, t'es le plus loin? Ah ben oui, pour le concours, donc j'ai pas encore eu le temps malheureusement, de regarder tous ceux qui m'ont répondu, parce que vous êtes nombreux à répondre, mais il y en a un, lui, il est sûr et certain, il a gagné, il a donné, à l'après de quelques... Il a donné la bonne réponse, tip top, il a donné, c'était 6622, je crois. Voilà, il y en a un, il a donné 6622. Je sais plus exactement combien, mais j'en ai un, ça m'a flashé, il a donné tip top le truc, quoi. Incroyable. Enfin, soit. Donc, la méthodologie qu'on utilise, qu'est-ce que c'est? D'abord, on doit identifier le départ d'impulsion. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que Virgin Galactic va monter jusqu'au ciel qu'il faut l'acheter dès que vous avez lu l'article. Ça ne sert à rien. Il y a parfois des sociétés qui restent en stagnation pendant des mois, des semaines, des années avant de décoller. On a eu l'exemple de Barco en Belgique, pour ceux qui connaissent, qui est une société qui a été vantée et ultra mise en avant pendant des années et des années. Entre 2011 et 2014, il ne s'est rien passé. Ça a été une latéralisation totale pendant 4... Et 2016, ça a commencé à monter pour vraiment exploser en 2018. Donc, identifier le départ d'une impulsion, que ce soit sur le moyen ou sur le court terme, c'est l'essentiel si vous voulez pas perdre votre temps et ne pas bloquer votre capital. Donc, identifier le départ d'une impulsion. Vérifier la tendance, c'est aussi très important parce que si on est dans une tendance porteuse du marché, quasiment n'importe quoi pourra évoluer à la hausse. Hein, bon, j'exagère un petit peu, je prends toujours l'exemple du nageur. Vous prenez le meilleur des nageurs et vous le mettez dans un torrent à contre-tendance. Eh bien, je ne dis pas qu'il ne pourra pas avancer, mais il n'ira pas très loin et ça va rapidement s'essouffler. Par contre, vous prenez un nageur moyen comme moi et vous mettez dans le sens du courant, eh bien, je pourrais aller très très loin et nager pendant longtemps. Ça, c'est un peu le principe de la vérification de la tendance. Observer les indicateurs pour voir si on n'est pas en surachat ou bien si on est au départ vraiment quelque chose. Ça, c'est intéressant également, les indicateurs qu'on utilise. Calculer des objectifs, c'est aussi très important. Pourquoi? Parce que si vous voyez une action qui démarre une impulsion, mais que votre objectif, il est que de 3 ou de 4%, bah, ça vaut peut-être pas la peine de faire une surveillance de cette action pendant quelques jours ou quelques semaines, tout ça pour gagner 3-4%. Ça vaut peut-être pas la peine, mais bon, chacun est juge de ce qu'il doit faire en fonction des heures qu'il a de disponibles. Et bien sûr, l'essentiel de tout ça est de faire le suivi avec des stop-loss. C'est essentiel aussi pour éviter d'avoir des lignes dans votre portefeuille qui sont à moins 25, moins 35, moins 40, moins 50, moins 80% et qui restent là bloquées pendant des années. Vous ne savez plus rien y faire. Vous êtes coincé dans la situation. Vous ne vous voulez pas vendre parce que vous avez trop de perdre. Vous avez trop de pertes. Vous ne voulez pas vendre. Mais bon, voilà, vous êtes bloqué avec ça pendant des semaines, des mois, des années. J'ai moi encore dans mon portefeuille deux lignes qui datent de 2009 à moins 95 et moins 98%. Voilà. Moi, je les laisse là pour me dire que ça, plus jamais. OK. Alors, les moyennes mobiles. Petit outil, très facile d'utilisation, très utile visuellement. Pourquoi? Parce que les moyennes mobiles, comme vous indique le nom, ça vous sert à deviner, ou en tout cas, ça vous suggère la tendance. Donc, les moyennes mobiles, simplement une ligne qui est calculée par rapport aux clôtures précédentes, donc une moyenne mobile 30 périodes. Qu'est-ce qu'on fait comme calcul? On regarde les 30 périodes précédentes, on regarde leurs clôtures, on fait une moyenne de ces clôtures et on peut tracer un point sur le graphique. Le lendemain, on décale d'un jour et on recalcule les 30 clôtures précédentes. Donc, c'est les mêmes clôtures que la veille, mais moins 1 et plus 1. Une en plus de la journée et une en moins de l'historique. Et toujours comme ça, et on avance. Et si au fur et à mesure des cotations, ben, le graphique monte, ben, la moyenne mobile monte. Alors on doit toujours utiliser trois moyennes mobiles. Pourquoi utiliser trois moyennes mobiles? Ben, comme ça, vous avez l'information sur quelle est la tendance de court terme. Vous avez ensuite l'information quelle est la tendance de moyen terme. Et quelle est la tendance de long terme? Donc, voilà, dans l'unité temps que vous regardez. Donc le court terme en journalier, le moyen terme en journalier ou le long terme en journalier. Alors comment moi j'ai choisi ces moyennes mobiles? J'ai choisi les moyennes mobiles 7 périodes, 20 périodes et 100 périodes. Il y a d'autres combinaisons possibles. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est l'ultime combinaison miracle. Mais il y a d'autres combinaisons possibles. J'ai déjà vu des combinaisons avec moyenne mobile 9, moyenne mobile 50, moyenne mobile 200. Okay, donc ça, c'est vraiment, ça dépend de votre réactivité par rapport au graphique, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez observer. Alors la moyenne mobile cette période, salut Nicolas qui nous rejoint. La moyenne mobile cette période, ça représente une semaine et demie à peu près. La moyenne mobile 20 périodes, ça représente presque un mois. Et la moyenne mobile 100 périodes, ben, ça représente 4-5 mois.
Parce qu'un mois, c'est plus ou moins, enfin, un jour de cotation. Donc voilà, donc avec ça, j'ai déjà une belle tendance. Si je monte sur une unité hebdomadaire, les moyennes mobiles sont aussi les mêmes, moyennes mobiles 7, 20 et 100, mais c'est plus 7 jours, c'est 7 semaines. Si je suis dans l'unité de temps hebdomadaire, ma moyenne mobile 7 représente 7 semaines. Ok ? Ma moyenne mobile 20 représente 20 semaines. 20 semaines, ça fait quasiment 6 mois. Et ma moyenne mobile 100 périodes, c'est 100 semaines. Donc ça fait 2 ans. Ok ? Donc ça, ça pourrait être bien clair. Les moyennes mobiles, elles varient en fonction de l'unité de temps dans laquelle vous êtes. Les moyennes mobiles jouent souvent et quasiment toujours un rôle de support-résistance. J'espère que vous connaissez les notions de support-résistance. Donc, ce sont des zones qui sont difficiles à franchir à la hausse ou à la baisse. C'est vrai, mais. Alors, c'est vrai, mais bah, la moyenne mobile, cette période, unité journalière, ça se traverse comme du beurre. Hein. Ça n'apporte pas vraiment une grande résistance. Ça, j'avoue que c'est simplement pour vous identifier la tendance, de pouvoir, on le verra après, ça me permet de déterminer ce que j'appelle le couloir de hausse ou le couloir de baisse. Voilà, c'est le couloir de hausse ou le couloir de baisse, c'est le couloir qui est compris entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile cette période. Quand on est coincé entre ces deux lignes, là, on est vraiment dans une folle expansion, soit haussière, une grosse impulsion haussière ou une grosse impulsion baissière. Ça ne sert qu'à ça, parce que la moyenne mobile cette période, ça peut être traversé quasiment quand on veut. Mais ça vous montre que la tendance baissière se termine ou que la tendance haussière se termine. À ça qu'elle sert la moyenne mobile cette période. La moyenne mobile 20 périodes, elle sert souvent de rebond ou de résistance. Et encore plus fort, la moyenne mobile 100 périodes. Là, c'est vraiment la ligne, pour ça que je l'ai mis en rouge en plus, c'est la ligne à franchir ou à ne pas franchir. Si vous êtes dans un investissement de moyen long terme et que vous êtes au-dessus de la moyenne mobile 100, vous savez que si vous enfoncez cette moyenne mobile 100, ben c'est que votre impulsion de moyen long terme, elle est terminée. Par contre, si vous surveillez une impulsion qui est en phase baissière, on va le voir après dans l'exemple, dans ce que je vous marque. Donc, quand on est en impulsion haussière, le cours il est au-dessus de toutes ces moyennes mobiles. Facile. Si on a l'impulsion baissière, le cours il est en dessous de toutes ces moyennes mobiles. Et quand on est en phase baissière et qu'il y a un rebond qui se présente, avant de se transformer en impulsion haussière, il va retraverser les moyennes mobiles dans un certain ordre. Et on va voir ça dans les exemples. J'espère que pour vous, tout ça est assez clair. Et Guillaume nous rajoute, tu as raison Guillaume, la cassure, si elle se fait avec du volume, c'est encore plus intéressant, c'est encore plus pertinent. Alors, les croisements des moyennes mobiles, certains jouent ça, moi, je ne joue que quelques cas assez exceptionnels, où on a voilà, la confirmation, quand on a un croisement de moyenne mobile, ben, c'est qu'on est en phase d'expansion haussière. Donc, vous voyez ici, on a un croisement de la moyenne mobile courte période avec la moyenne mobile moyenne période, hop, croisement baissier, ben, le cours fait des phases baissières. Ensuite, le cours revient au-dessus des moyennes mobiles. On a un croisement ici de moyennes mobiles qui montre qu'on est bel et bien en phase d'expansion. Mais vous voyez que ça peut s'inverser à tout moment. Donc, jouer les croisements de moyennes mobiles entre la courte et la moyenne période, pour moi, ce n'est pas trop pertinent, sauf si on fait du court terme. Alors, restez attentifs à cette séance. Je vous dis déjà, pour ceux qui sont nouveaux, qui sont là par hasard ou qui se sont dit « Tiens, la lumière est allumée, je vais voir ce qui se passe. » Il y a un code promo qui est valable pour tout ce week-end. Si vous voulez participer aux futures séances, avoir l'accès coaching premium, donc c'est quoi l'accès coaching premium? C'est que je vous envoie des alertes de graphiques qui me semblent intéressants. On fait le suivi de tout ça via un tableau qu'on va voir ensemble également. Vous avez également accès au groupe crypto qu'on verra également aussi. Donc vous allez sur le site Benjamin Investor, vous allez passer votre commande coaching premium, vous tapez le code mobile et vous aurez 50% de réduction sur ce coaching, c'est cadeau, c'est l'anniversaire, bienvenue à ceux qui veulent. Alors, tout ça c'est bien sympa, mais en pratique, il se passe quoi? Alors, ça, c'est pas ça. Il est où mon Pro Real Time? Il est là. Tac. Le voilà. Alors déjà ici à l'écran, premier exemple de moyenne mobile qu'on aurait pu utiliser, c'est justement Virgin Galactic. Virgin Galactic, regardez cet exemple assez commun à utiliser concernant les moyennes mobiles. Alors, on va reprendre ça à partir de, je vais effacer tout, tac, supprimer, pouf. Donc, moi, j'ai une conviction très forte, hein, vraiment très très forte, c'est que Virgin Galactic, c'est l'avenir, ça fait un an et demi
je suis dans la valeur, même peut-être un petit peu plus. Mon PRU, c'est aux alentours de 19, parce que j'avais commencé à 13 et puis j'en ai racheté, donc mon PRU a augmenté. Alors qu'il y en a qui font des moyennes à la baisse. Moi, je fais plutôt des moyennes à la hausse, mais bon, voilà, quand on a des convictions, c'est comme ça. Regardez ici, on est coincé, là, à ce moment-là, on est coincé, donc on est au mois d'avril 2021. On est coincé en dessous de toutes les moyennes mobiles. La moyenne mobile rouge, la moyenne mobile sans période, je vous mets ça en plus grand. La moyenne mobile mauve, c'est la moyenne mobile 20 périodes qui correspond à la ligne pivot des bandes de Bollinger. Et la moyenne mobile bleue, c'est la moyenne mobile des courts termes. Moyenne mobile 7 périodes. Donc ici, je suis bel et bien dans un couloir baissier entre la M7 et la bande de Bollinger inférieure. Je descends, je descends. J'essaye de repasser au-dessus de la M7, mais ça ne tient pas très longtemps et hop, je repasse en dessous. Alors ici, je repasse au-dessus de la M7. Ce qui est important également. Si vous voulez renforcer une position, c'est ce genre de bougies. Ce genre de bougies qui n'ont l'air de rien, mais dans la trading des moyennes mobiles, quand je repasse au-dessus de la M7, je vais aller chercher la M20. Okay? Si j'arrive à dépasser la M20, je vais aller rechercher la M100. Et si j'arrive à dépasser la M100, je me retrouve au-dessus de toutes les moyennes mobiles, dans le couloir de hausse entre M7 et bande de Bollinger, et là, je suis parti vers le haut. Donc regardez ici, je suis coincé en dessous. Premier signal d'achat, il est là. On repasse au-dessus de la M20. On va aller rechercher la M100. En effet, on y est. Une fois que c'est fait, ben, on voit que la M100 joue le rôle de résistance. On ne passe pas au-dessus de la M100. Ici, deuxième signal d'achat, qui était le 7 juin. Le 7 juin, signal d'achat sur Virgin Galactic. Tac, on dépasse la M100. On est vraiment dépassé cette frontière, cette résistance qui nous tenait. On se retrouve dans le couloir de hausse entre la M7 et la bande de Bollinger supérieure. Et c'est parti, mon kiki. Regardez la M7 qui vient ici faire support. On arrive proche de la M20, ça fait toujours support. On est toujours dans le couloir de hausse au-dessus de la M7 jusqu'à l'apothéose de hier. Tac! Où le cours vient d'aller chercher 38% en une seule séance. Donc voyez ici, on était coincé en dessous de la M7. On revient au-dessus de la M20. Je peux déjà faire un achat en visant la M100. L'air de rien, en voyant ces petites bougies rouges, j'achète ici, je vise la M100, ça me fait déjà du 56% dans la poche. Si j'ai raté le coche ici, je vois que je coince en dessous de la M100. Il me suffit d'attendre le passage au-dessus. Voilà, la bougie d'impulsion, elle est là. Tac, je m'appuie sur la M7, je dépasse la M100. Là, c'est parti. Je me dis, le lendemain, j'achète. Donc j'achète ici, à l'ouverture. Et mon objectif, ça va être quoi? Ben, simplement de rejoindre les derniers plus hauts qui sont là-bas, sur les 59. Alors je vois que ça pose des questions. J'arrive trop tard pour les indices. Non, Mohamed, tu n'arrives pas trop tard pour les indices. Les indices, c'est à 11h. Donc il n'y a pas de problème. Là, on est en train de parler de la technique de trading avec les moyennes mobiles. Donc voyez l'exemple ici. On est dans le couloir de hausse au-dessus de la M7, mais on reste en dessous de la M100, donc là, on est dans un rebond. Et une fois qu'on a dépassé la M100, tac, ce n'est plus un rebond, c'est une accélération haussière, c'est une impulsion haussière. J'achète le lendemain et je vise l'objectif ici à 59,45. Je vois que ça a latéralisé un petit moment, et puis clac, c'est parti. On a déjà presque rejoint l'objectif, c'est peut-être déjà trop tard. J'avais fait exactement le même genre de choses. Quand j'étais sur le CAC 40, bah oui, tiens, Mohamed, on va parler du CAC 40. Le CAC 40, bel exemple également du trading facile avec des moyennes mobiles. Pour ça, je retourne ici. La crise Covid, vous n'aurez pas manqué de la voir. Vous voyez, on était ici depuis le mois de septembre 2019. On reste au-dessus de la M100. Vous voyez, on joue avec la M20 et la M7. Tac, on arrive sur la M100, on repart. Là, on décroche un petit peu, on approche de la M100, on repart. On décroche un petit peu, on arrive sur la M100, on repart. OK? Toujours comme ça. Jusqu'au moment où, ici, cette bougie, je vous mets ça en grand pour vous ne manquer rien. Voilà. Cette bougie, ici, celle-là, du 24 février 2020, petite bougie où le CAC 40 perd quand même 4%, 3, le CAC 40 perd 3,94%. Ce n'est pas énorme, 3,94%. Mais là, c'était le signe évident qu'on partait dans une phase baissière d'importance.
Pourquoi? Parce qu'on a cassé en une seule fois, on a cassé toutes les moyennes mobiles, on se retrouve en dessous. J'expliquais ça hier avec les cryptos si vous étiez présent. C'est un petit peu, en parlant des supports résistance, mais ici la moyenne mobile sans période était un support de long terme sur l'unité journalière. Ce support fait office comme si vous étiez sur une trappe. Chaque fois que vous venez sur la trappe, tapez dessus, hop, elle vous remet vers le haut. Vous tapez sur la trappe, hop, elle vous remet vers le haut. C'est ce qu'elle a fait plusieurs fois dans le graphique de manière avant. Regardez, ici, plusieurs fois. Donc, elle est venue là, hop, elle a tapé vers le haut. On est venu là, on a tapé vers le haut. Et ici, eh bien, la trappe, elle vient de s'ouvrir. Vous êtes sur la trappe et la trappe, elle s'ouvre. Une fois que la trappe s'ouvre, vous avez enfoncé la M100 et là, ben, on connaît la suite. On est parti vers le bas pour quand même quelques séances. Regardez, on a voulu revenir sur la M7. On est dans le couloir de baisse ici, entre la M7, la ligne bleue et la bande de Bollinger inférieure. On a voulu revenir sur la M7 le 4 mars. On n'a pas pu dépasser la M7. On est revenu dans le couloir de baisse. Et on a réaccéléré encore plus fort. Toujours dans le couloir de baisse ici, entre M7 et la bande de Bollinger inférieure. Donc tant que je suis dans le couloir de baisse, il n'y a rien à faire. On ne sait rien faire, mis à part observer le graphique qui continue de tomber. Voilà, dans le couloir de baisse, ça continue de tomber. On a des bougies japonaises spécifiques qui commencent à apparaître pour dire que probablement la baisse est finie. Mais on attend. Et voilà, voici ici cette bougie rouge, qui est une bougie rouge, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est une bougie qui clôture au-dessus de la M7. Chose qui n'était plus arrivée depuis le 24 février. Ici, couloir de baisse très puissant. Ici, on fait même un avalement baissier, pour ceux qui connaissent. Couloir de baisse très puissant. On fait des marteaux. Ça veut dire que la baisse est probablement finie. Et puis, tac, ici, une bougie qui vient s'installer au-dessus de la M7. Donc, moi, quand je vois ça, on est le 20 mars. Donc, ça fait presque un mois que le CAC 40 est en train de baisser. Après, je vois cette bougie, je me dis, ok, première bougie au-dessus de la M7 depuis un mois, on va probablement aller rechercher la M20. Donc qu'est-ce que je fais? J'achète un petit produit à l'effet de levier, x3, pour pas exagérer, et je me dis, j'achète le lendemain en voulant viser la M20. Le lendemain, j'ai une bougie verte qui se réinstalle en dessous de la M7, donc là je me dis, aïe aïe aïe, peut-être que mon opération ne sera pas bonne, c'est pas grave, je l'ai acheté quand même à l'ouverture. Tac, j'ai acheté ça, et mon objectif était de retourner sur la M20. En 3 jours, bingo, ça a été fait. Retour sur la M20. Donc ici, voilà, j'ai été chercher 15% x 3, 45% dans la poche. Toujours des petits montants quand j'utilise des effets de levier, malheureusement. Hein. Parfois, il faut savoir se faire confiance. Mais là, malheureusement. Ouais, pour ça, dans les cryptos, les gars, j'ai posté un truc sur Discord juste avant de commencer ce live. C'est la merde. Hein. Enfin bon, on en reparlera également. Alors, ici, vous voyez, on est repassé au-dessus de la M7. Ok, on vise la M20. Tac, on est sur la M20. Là, quand on est sur la M20, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je coupe mon turbo. Voilà, c'est fini. Mais je sais que si je dépasse la M20, je vais aller rechercher la M100. On ne passe pas la M20, elle fait résistance. On ne passe pas la M20, elle fait résistance. On ne passe pas la M20, elle fait résistance. On ne passe pas la M20, elle fait toujours résistance. On ne passe toujours pas la M20, ça fait résistance. Vous voyez le rôle des moyennes mobiles en support résistance. On ne passe pas, on passe. Cette petite bougie verte ici, du 6 avril, est une bougie d'importance capitale. Pourquoi? Parce qu'on est repassé grâce à ce gap de rupture. Bon, sur des gaps, je ne vous en détaille pas aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Grâce à ce gap de rupture, ici également c'était un gap de rupture baissier, là c'est un gap de rupture haussier. On repasse au-dessus de la M20, on repasse au-dessus de la M7, on va aller rechercher la M100. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Paf, on prend une position acheteuse à ce niveau-ci. Hop, on prend une position acheteuse avec un petit effet de levier et on va aller rechercher la M100. Il suffit d'attendre. Vous voyez, la M20 fait office de support. Là, j'ai un décrochage, mais je suis en latéralisation. J'attends. Pas de signal de baisse. Et tac, voilà, j'ai été rechercher la M100 ici, sur les 5000 points. Et là, bah, voilà, j'ai acheté ici. Je ressors là-bas, 11% x 3, 30% de prix. Voilà, simplement avec la technique des moyennes mobiles. On repasse au-dessus de la M7, on va chercher la M20. On repasse au-dessus de la M20, c'était où? On repasse au-dessus de la M20, on va chercher la M100. Une fois qu'on est sur la M100, ben là,
Le rebond est terminé. Donc, c'est le rebond suite à cette grande phase baissière. Le rebond est terminé. On est venu rechercher la M100. Ensuite, il faut voir s'il y a des nouvelles, s'il y a autre chose qui permette de transformer ce rebond en phase haussière. Pour repasser au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on voit que ça tergiverse pendant tout un moment. On revient en latéralisation. La M20, la M7 se croisent, se décroisent. On est quand même installé au-dessus de la M100, donc on se dit ça commence à sentir bon. Voilà, tout l'été a été d'une chianterie pas possible. Vous voyez, on joue avec les moyennes mobiles, hein, un peu au-dessus, un peu en dessous. Et là, boum, voilà, accélération ici, le 9 novembre. Pour rappel, c'est l'annonce par Pfizer de la découverte du vaccin. Voilà, ça a relancé une tendance. On a en plus ici le seul croisement qui, moi, m'intéresse. C'est le croisement qui s'appelle Golden Cross. C'est le croisement de la moyenne mobile courte période avec la moyenne mobile longue période. C'est pas la courte avec la moyenne, c'est la courte avec la longue. Et plus c'est à angle droit, mieux c'est. Donc ici, Golden Cross qui a lancé le marché haussier depuis le mois de novembre de l'année dernière. Et depuis, on est dedans. Ouais, on s'est toujours installé, on est au-dessus de la M100, regardez la M100 qui est ici, bien loin, et on revient dans disposition où on était avant la crise Covid, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la M100, on fait des allers-retours au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, mais tant qu'on est au-dessus de la M100, il n'y a pas de problème sur la tendance, ça continue, et vous voyez, on est même sorti du graphique, la moyenne mobile 100 est à la hausse, tout ça est à la hausse, il n'y a pas de souci sur le moyen-long terme. Donc, la moyenne mobile 100 jours, c'est que la moyenne mobile à 3 mois est en phase haussière et tout ça est en phase haussière depuis cette Golden Cross qui est ici, qui a confirmé la phase haussière. Donc, auparavant, c'est simplement un rebond. Après ce rebond, on traverse M7, M20, on arrive sur la M100, on latéralise. Et ici, tac, on le voit encore mieux quand on dézoome. Hein. Voilà, Jean-Pierre, tu demandais pourquoi il faut faire une, pourquoi avoir une vue plus large. Mais la vue plus large permet vraiment d'identifier cette Golden Cross ici. C'est-à-dire le croisement quasiment à angle droit entre la moyenne mobile courte période et la moyenne mobile longue période. J'espère que maintenant, pour vous, c'est un peu plus clair toutes ces histoires de moyenne mobile. Voilà, la meilleure théorique, c'est fait. On va faire ce qu'on fait d'habitude avec les gens qui suivent le coaching, c'est-à-dire qu'on va aller voir ce qu'on a dans nos valeurs et est-ce qu'il faut bouger les stops ou pas, et par rapport à moyenne mobile, est-ce qu'on est bien ou pas bien. Alors, c'est parti avec ADT ici. Vous voyez, ADT, on est au-dessus des moyennes mobiles pour l'instant. On voit qu'on a une petite consolidation qui est en train de s'installer. On avait une figure ici en épaule, tête, épaule avec un objectif sur 13,30. Pour l'instant, on fait des grosses bougies rouges qui viennent en consolidation. On est là, coincé dans les moyennes mobiles, courte et moyenne période. En longue période, on n'est pas trop mal. J'ai quand même un stop loss qui est là pour éviter de faire une plus grosse perte. Donc pour l'instant, je ne vais pas monter le stop. Je vais attendre de voir si je peux avoir un redémarrage d'impulsion ici la semaine prochaine. Charger Point, vous voyez, on a dépassé également les moyennes mobiles. On était toute cette semaine dans le couloir de hausse. On a déjà atteint un objectif, ce qui a permis de récupérer une partie de la plus-value. Et pour l'instant, j'ai mon stop loss qui est en dessous de la M20, parce que j'espère que cette M20, si le cours vient à s'enfoncer un peu plus en dessous de la M7, que cette M20 fasse office de support pour relancer vers le deuxième objectif. Quoi qu'il en soit, on est à break-even, on est au-dessus de notre point d'entrée. On a déjà pris une partie de nos bénéfices sur le premier objectif. Même si le stop loss est touché, pas de problème, on sortira gagnant de cette position. EDF. EDF, vous voyez, on est repassé au-dessus de la M100 ici depuis le 7 avril. On a fait des consolidations, mais avec des points bas de moins en moins bas. Là, pardon, je dis n'importe quoi. On faisait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins hauts. On était donc coincé sous une oblique baissière. Et puis ici, le 9 juin, clac, on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On casse l'oblique baissière. On est venu faire un pullback, donc mouvement tout à fait normal. Accélération, pullback,
Si vous ne connaissez pas la notion de pullback, ben, ça fait partie des choses qu'on explique. Et après le pullback, normalement, on doit redémarrer en direction de l'objectif. Mon stop loss, il est en dessous des moyennes mobiles. Pourquoi? Parce que si jamais je casse toutes les moyennes mobiles, c'est que ma tendance haussière, elle est terminée. Je pars vers autre chose. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le CAC 40. Si je casse mes moyennes mobiles à la baisse, c'est que ma tendance haussière, elle est normalement finie. Et moi, je ne veux pas observer le graphique qui tombe. Je veux couper le plus vite possible ma perte pour me retrouver peut-être avec du moins 5, moins 10%, mais pas avec du moins 30, moins 40, moins 60. Fulltech est en phase de rebond. Vous voyez ici, il a repassé au-dessus de sa M7. Il accélère. Il a fait une consolidation qui est venue se poser sur la M20 et il essaie de redémarrer. Le challenge de ce rebond sera d'atteindre la M100 et de dépasser la M100 pour libérer le potentiel vers l'objectif. Moi, je suis avec un stop loss en dessous de mes moyennes mobiles, en dessous de cette petite consolidation, en espérant que le cours puisse casser sa M100 à la hausse. Ici, j'ai une accélération sortie de Squeeze Bollinger, qui fait partie des théories qu'on voit aussi. Accélération, consolidation, et maintenant, on espère pouvoir poursuivre cette accélération au-dessus de la M100. Sur Heineken, ben là, pas de problème. On y a déjà un bon moment qu'on est au-dessus de la M100. La valeur, on l'a choisie ici le 21 avril. Hop, ça continue. On arrive sur l'objectif. Vous voyez qu'on est bel et bien dans le couloir de hausse entre la M7 et la bande de Bollinger supérieure. On est même au-dessus de ce couloir de hausse. Donc, il n'y a pas de problème. Ça pousse, ça pousse. Je vais pouvoir remonter mon stop loss parce qu'on arrive sur le premier objectif. OK ? Heineken, pas de souci. NXTD, valeur que j'avais pris assez agressive. Donc, j'avais pris cette valeur parce qu'on avait franchi en journée la M100. Paf! Et puis, ça n'a pas tenu. Ça a consolidé. J'avais mis un stop loss ici qui correspondait à une zone sous cette accélération. J'ai failli être touché. Hein. On voit qu'on est venu très très proche avec le stop loss. J'ai eu un petit peu peur. Et puis, hop, on repart. Voilà, on revient s'installer au-dessus des moyennes mobiles. Et on espère tous qu'on va pouvoir rejoindre la M100. Plug Power, qui est cette valeur que j'ai choisie mardi. Ici, j'avais un avalement haussier. Avalement haussier qui permet de revenir au-dessus de la M7. Revenir au-dessus de la M100. Hop, premier couloir de hausse. On fait une consolidation. Et ici, le 22 juin, je n'avais pas vu cet avalement haussier. Mais le 22 juin, qu'est-ce que je constate? Une nouvelle accélération. Tac, au-dessus de la M7. Donc, je peux estimer que je vais aller franchir la M100. Ou en tout cas, essayer de la franchir. Donc, j'ai pris cette valeur de manière anticipative en espérant pouvoir franchir la M100. Et j'ai mis mon stop où? Ben, en dessous des moyennes mobiles et de la dernière consolidation. Comme ça, si jamais je dépasse la M100, c'est très bien, je pourrais aller rejoindre mon objectif qui est ici. Et si je n'arrive pas à dépasser la M100 et que je pars vers le bas, eh bien mon stop loss évitera que je retourne là-bas. Donc en effet, ici c'est une valeur qui est volatile. J'ai un stop loss ici à moins 18%. Donc c'est jamais sympa de se prendre à moins 18. Mais il vaut mieux se prendre à moins 18 que attendre, attendre, attendre et se retrouver à moins 41. Ça c'est mon avis à moi. Et mon objectif, il est ici à plus 36. Donc, je respecte, je parle de tout et de rien, mais bon, vous prenez les informations que vous voulez. Ouais, alors la Golden Cross, en effet, malheureusement, Jean-Pierre, ça fonctionne dans les deux sens. Je réponds à ta question, ça fonctionne dans les deux sens. La Golden Cross vers le bas, ça existe aussi et c'est pas une bonne nouvelle. Alors, l'objectif, il est à plus 36. Le stop loss, il est à moins 18. J'essaie de respecter le ratio gain-perte de 1,5. Donc, voilà, ça respecte mon money management, ce sont des choses que j'ai essayé d'expliquer aussi. Sundial, j'avais choisi cette valeur parce qu'elle a fait ici une sortie au-dessus de la M100 dans le couloir de hausse. Et depuis, hop, on a fortement corrigé. Donc là, c'est un petit peu une grosse patate qu'on a dans le portefeuille. On est entré ici. On est descendu jusqu'à moins 35. Ah, ça, c'est pas sympa, moins 35. Je suis 100% d'accord avec vous. Supprimer la règle. Et on voit que on essaie de faire un rebond, mais mon stop loss, il est là. Mon objectif, il est là-bas. C'est pas top, c'est pas top. Unibail, valeur que j'ai choisie parce que c'est une valeur qui est active dans les hôtels et que la pandémie, c'est fini. Voilà, vous voyez, on est sorti ici au mois de juin. Tac, accélération au-dessus des moyennes mobiles. La M100 est là, la M20 est là, la M7 est là. Donc, on est au-dessus des trois moyennes mobiles. On a accéléré. Là, on est en train de consolider et on essaie de trouver un support sur la M20 pour pouvoir continuer en direction de notre objectif d'M91. Donc, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On est entré, après cette bougie d'accélération, on est entré ici. On est pour l'instant à plus 0,7. L'objectif est à plus 17. Le stop loss est à moins 3. Donc, voilà, tranquille sur cette valeur. Alors, on a d'autres valeurs. Ici, ce sont les valeurs de court terme. On a d'autres valeurs qui sont les valeurs de moyen terme.
Mais donc, sur la valeur de moyen terme, on doit prendre le graphique en moyen terme, c'est-à-dire en hebdomadaire. Alors, voici ADP, Aéroport de Paris, hein, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Voilà. On a ici la M100, en effet, qui est baissière. Et ici, la semaine du 7 juin, bam, accélération au-dessus de la M100. Alors, on a fait une petite consolidation les 2 semaines qui ont suivi. Et ici, il semblerait qu'on revienne trouver appui sur la M100, qui devrait normalement permettre au cours de repasser vers le haut. On est toujours dans le couloir de hausse entre M7 et bande de Bollinger. La M100 a été franchie. On vient prendre appui dessus. Les bandes de Bollinger sont en train de s'ouvrir. Tout ça est très bon pour aller rejoindre un objectif qu'on estime se situer ici. Et donc, il reste un petit potentiel de 40% à aller chercher. Et on peut mettre un stop loss. Je ne sais plus où je l'ai mis. J'ai plus l'information. Attendez, je vais aller voir ça. Voilà, le stop loss, il est ici. Sur 113,10. 113,10 qui correspond en hebdomadaire à être en dessous de la M7 et en dessous de la M100. Alors, Jalil, tu me demandes si tu peux utiliser des moyennes mobiles personnalisées. Tu utilises les moyennes mobiles que tu veux. Des moyennes mobiles exponentielles, des moyennes mobiles lissées. L'essentiel, selon moi, c'est d'en avoir trois. Une court terme, une moyen terme, une long terme. Ça, c'est l'essentiel. Et moi, de mon expérience et des différentes techniques que j'ai déjà observées, j'ai fait un melting pot de tout ça et j'ai choisi la M7, la M20, la M100. Je ne dis pas qu'il n'y a que celle-là disponible, il y a d'autres configurations qui existent en fonction de votre technique, il y a d'autres configurations possibles. Moi, ma configuration à moi, c'est celle-là. Je ne prétends rien, je ne revendique rien. C'est une configuration que je connais, qui m'aide, qui me plaît. Et qui, selon moi, est assez efficace. Maintenant, chacun est libre de mettre les configurations qu'il veut. Alors, ADFIK, regardez ici, la crise Covid, elle est là, crac. On repasse au-dessus des moyennes mobiles ici, on vient jouer. Vous voyez, la moyenne mobile 100 sur cette valeur n'a jamais été baissière. Au contraire, j'avais ici un triangle haussier duquel on est sorti la semaine du 14 juin. Et cette semaine-ci, on regagne encore 1,4%. On est dans le couloir haussier hebdomadaire. On est au-dessus de la M20, au-dessus de la M100. On est dans une impulsion haussière hebdomadaire. Une impulsion haussière qui va durer, qui va continuer. Probablement qu'on aura des consolidations. Voilà, genre peut-être la semaine prochaine, un truc qui reviendrait vers par ici. Et après, qui repartira. L'essentiel pour cette valeur est de rester au-dessus de la M20 et de la M100 avec un objectif à 129. Par rapport à la clôture de vendredi, ben, il reste 13% à aller chercher sur cette valeur. Alors, il y a plein de techniques, Edouard, pour trouver les objectifs. Techniques que j'essaie d'expliquer au fur et à mesure. On a les figures chartistes, on a la technique en miroir, on a la technique de Fibonacci, on a plein de choses qui sont essentielles. La technique des supports résistance. Et en effet, une des techniques, c'est quoi? C'est d'aller rechercher les points hauts de clôture. Voilà, une fois que tu as eu ici une consolidation, que tu réaccélères, parce que si je fais un Fibonacci ici, j'ai retracé 50%, c'est le rebond classique. Et ensuite, on réaccélère pour aller rechercher les points les plus hauts, forcément les points les plus hauts en journalier, qui étaient à mon avis ici quelque part, ok, à 129,9. Donc oui, la réponse à ta question, c'est les objectifs, c'est souvent le retour sur les points les plus hauts. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est la hauteur du triangle reporté vers ici. Voilà. Mais Edouard, il y a plein de techniques pour calculer les objectifs et ça fait partie des choses que j'essaye également d'expliquer au fur et à mesure des coachings. Voilà pour l'EFICA. Pour Airbus, Airbus, même chose. Si je prends uniquement mes moyennes mobiles, eh bien regardez, j'ai fait un rebond au-dessus de la M7, je suis venu chercher la M20 qui a fait résistance, 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 résistance. Hop, je réaccélère ici au-dessus de la M20, je vais chercher la M100. La M100 fait un petit peu résistance et maintenant, clac, voilà, j'ai eu cette bougie le 24 mai qui me dit, ben, Airbus repart dans une tendance haussière de moyen terme. Je suis sur un graphique hebdomadaire, sur une tendance de moyen terme. Je suis au-dessus de la M7 hebdomadaire, au-dessus de la M20 hebdomadaire, au-dessus de la M100 hebdomadaire. Donc, je suis au-dessus de toutes mes moyennes mobiles. Je suis dans le couloir haussier et je vais probablement aller rechercher mon dernier sommet ici à 138, qui me donne un potentiel de hausse de 26% par rapport à la bougie de clôture de vendredi. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de pullback, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais
de retour au moyenne mobile, chose qui arrive également, voilà, comme ici, voilà, on accélère, on fait un retour sur la M20, on réaccélère, retour sur la M20, on réaccélère, peut-être qu'on aura un retour sur la M20 dans les prochaines semaines. Ce qui compte pour moi sur ce graphique hebdomadaire, c'est de ne jamais repasser en clôture en dessous de la M20 et en dessous de la M100. Tant que je ne repasse pas en clôture en dessous de la M20 ou en dessous de la M100, c'est que ma tendance haussière de moyen terme continue à vivre. Et tant qu'on n'est pas retourné à 138, elle continuera à vivre. Beneteau, là, on est bel et bien repassé depuis le 30 novembre au-dessus des moyennes mobiles. Voilà, on continue à accélérer. On reste au-dessus de la M20. On est bel et bien au-dessus de la M100 qui se remet à la hausse. Et on a déjà rejoint une première fois l'objectif des 50% de retracement. Le prochain objectif est de continuer ici, gentiment, pour retourner tout simplement jusqu'au 21. Voilà. Donc, par rapport à la clôture de vendredi, on a encore un petit objectif de 60% sur Beneteau. Tant qu'on reste au-dessus de la M20 et dans le couloir de hausse, voilà, pas de problème, ça devrait continuer. Vous voyez, on a eu deux semaines de consolidation ici. On a perdu 2,74% la semaine du 7 juin. On a perdu 6,6% la semaine du 14 juin. Et puis cette semaine, voilà, hop, on repart. On regagne 0,75%. Alors j'accélère un petit peu parce que il est déjà 10h41. Vous voyez, ici Carrefour dans son couloir haussier hebdomadaire. Pas de problème sur Carrefour. Peut-être qu'on va faire une petite consolidation et puis repartir. On n'est pas loin de l'objectif. Sur Hugo Boss, ça fait des semaines. Regardez cette bougie ici. Clac. On repasse au-dessus de la M7 M20. C'est parti mon kiki. Hop, on accélère. Couloir de hausse. On arrive sur la M100. Ça tergiverse un petit peu. Et puis le 12 avril. Tac. On se libère de la M100. Et on est dans le couloir de hausse. Et on a déjà rejoint le premier objectif ici. Si on dépasse ensuite cet objectif, on pourra peut-être aller rejoindre le suivant qui est là-bas plus loin. Donc vous voyez, on est dans une tendance baissière en dessous de la M100, en dessous des moyennes mobiles. Ici, on passe au-dessus de la M7, de la M20, on va aller chercher la M100. Et ensuite, bon, il y a plein de stop-loss parce que j'ai fait évoluer tout ça au fur et à mesure des semaines qui ont passé. Ça fait déjà un moment qu'on est dans Hugo Boss. On est à plus de 45% sur Hugo Boss, je pense. Et ça évolue, ça accélère. Kinépolis, Cell Cinéma, également au-dessus de la M100, ça va accélérer. Je vais plus vite parce que le temps n'est plus avec nous. On est aussi au-dessus des moyennes mobiles. Sur NIO, ça va accélérer. Sur Total, on est également envoyé au-dessus des moyennes mobiles, ça devrait réaccélérer. Et sur UCB, pour faire plaisir à Jean-Pierre, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile la semaine du 7 juin et on voit que ça va accélérer. Voilà pour les moyennes mobiles. Alors, je vous montre rapidement notre petit tableau Excel. On fait le suivi de tout ça, c'est le tableau que j'envoie quotidiennement pour faire le suivi. Voilà, ici, toutes les valeurs avec les stop-loss qui sont là. On voit qu'on a des stop-loss en positif, des stop-loss en négatif. Au fur et à mesure de l'évolution des trades, on essaye d'augmenter les stop-loss. Vous voyez, Hugo Boss, on est dedans depuis... Elle est où la date? On est dedans de... Bah, pourquoi est-ce qu'il y a 46-68 ici? J'ai perdu la date. Bon, je ne sais plus quelle était la date. On est dedans depuis un bon moment. Il faudrait que j'aille voir les précédents tableaux pour retrouver la date. On est dedans depuis un bon moment, Hugo Boss, et on est à plus 48%. On a déjà récupéré une partie du bénéfice, ne vous inquiétez pas. Alors, on m'a déjà posé la question, est-ce que cette technique fonctionne sur les crypto-monnaies? Ben oui, c'est la même chose. Regardez ici, je suis sur le Bitcoin et aujourd'hui, je suis sur l'unité 4 heures. Unité 4 heures, j'ai envoyé sur le groupe Discord, l'unité 4 heures a été cassée sur le Bitcoin alors que ça n'était plus arrivé depuis le 19 mai. On a cassé l'unité 4 heures par le bas. On est en dessous de la M100, en dessous de la M20, en dessous de la M7. On a construit un couloir baissier en unité 4 heures. Et cette baisse va continuer. Et elle va continuer jusqu'où? À mon sens, elle va continuer jusqu'aux 20 000 $. Et pourquoi jusqu'aux 20 000 $? Parce que quand je prends l'unité journalière, voilà, en unité journalière également, je suis en train de casser ce support des journaliers n'est pas pu rejoindre la M100. Et de nouveau, je recasse toutes mes moyennes mobiles et je recasse mon support des 31 200, et je forme ici, maintenant, je commence à former un couloir de baisse en dessous de ma M7. Je suis en dessous de mes moyennes mobiles, en dessous de la moyenne mobile courte période, moyenne période, longue période, et je forme un couloir de baisse qui va probablement m'entraîner jusqu'aux 20 000 $. Donc, si vous avez des bitcoins et que vous ne voulez pas subir encore une baisse de plusieurs 1000 $, ben, il est peut-être temps d'en sortir. Et si vous n'avez pas de bitcoin et que vous attendez le bon moment pour y rentrer,
C'est pas encore maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous des moyennes mobiles, dans un couloir de baisse qui va continuer. Le seul moyen de retrouver une phase haussière, ce sera de revenir au-dessus de M7, au-dessus de M20 et au-dessus de la M100, comme c'était le cas ici. Regardez, voilà la bougie du mois d'octobre, paf, on est au-dessus de M7, au-dessus de M20, au-dessus de M100, et c'est le bull run qui s'est enclenché. Bull run qui a déjà été mis en danger ici au mois d'avril, et bull run qui a été cassé le 12 mai, où là j'ai dit à ceux qui me suivaient sur Discord, si vous avez du Bitcoin, eh bien il faut vendre parce que là on est parti vers une phase baissière. Et c'est les moyennes mobiles qui me donnent ce genre d'informations. Je ne pense pas que la baisse des cryptos vont influencer les marchés actions. C'est séparé. Alors Cyril nous précise que Hugo Boss, on est dedans depuis le 1er avril. C'était donc pas une blague. Voilà les amis, toutes les informations que je peux vous apporter avec les moyennes mobiles, c'est un des outils essentiels pour déterminer les tendances. Ensuite, vous recevez ce tableau où je vous dis, voilà, les stop loss, est-ce que je dois monter ou pas? Le niveau du stop loss actuellement, le niveau des valeurs actuellement par rapport à l'alerte. Vous avez également le groupe Discord où j'envoie des informations, soit des informations générales. Un petit tableau bien sympa qui me montre ici les objectifs baissiers sur les crypto-monnaies. Donc l'objectif baissier sur le Bitcoin, il y en a un à 24 000. Il y en a un sur l'Ethereum à 14 000. Le Litecoin à 90. Le Cardano à 0,94. Le Ripple à 0,416. Et le Doge à 0,077. Donc le Doge, la baisse n'est pas finie. Hein. Voilà, les pourcentages de baisse possibles. Ici, vous avez le niveau des moyennes mobiles. La moyenne mobile, cette période qui montrera un possible retour du rebond, qui n'est pas le cas actuellement. Des petits liens, voilà, ça c'est les généralités. Et sur le Bitcoin, mais j'ai posté ça ce matin avant de venir vous voir. Voilà, le Bitcoin, il a cassé son unité 4 heures. Et je vous marque, support 4 heures cassé, tout le monde descend, prochain arrêt sur les 20 000. Voilà, ça c'est une description assez rapide de qu'est-ce que c'est le coaching premium. Ce sont les séances théoriques. On passe en revue les valeurs qui sont dans notre portefeuille pour voir si on doit prendre des décisions ou pas. On fait un petit tour sur les cryptos et vous avez également accès au groupe privé Discord pour vous aider dans vos décisions sur les crypto-monnaies. Voilà. Merci à ceux qui ont l'habitude d'être là, d'avoir été présents. Merci à ceux qui n'avaient pas l'habitude d'être venus assister. En général, je termine la séance vers 11h moins quart parce que je dois préparer la séance prochaine, qui est la séance de 11h, à laquelle vous êtes tous bien sûr invités, où dans cette séance, on va voir quoi? Ben, l'analyse des indices, le CAC 40, le DAX, le SP500, le Nasdaq, les matières premières avec le pétrole, l'or, l'argent, les quelques crypto-monnaies avec le Bitcoin et l'Ethereum, ensuite l'analyse de vos valeurs et l'analyse de valeurs que moi j'ai choisi. Ça, c'est la séance qui se fait à 11h. Donc, je fais une petite pause, je coupe la diffusion ici. Si vous voulez des informations complémentaires, n'oubliez pas le code promo qui s'appelle MOBILE pour les nouveaux spécial anniversaire durant tout le week-end. Ceux-mêmes qui vont regarder cette vidéo en redifféré, eh bien pendant tout le week-end, le code MOBILE vous permettra d'avoir 50% sur votre abonnement premium. Et petit message à ceux qui ont l'abonnement qui se termine ce mois-ci, c'est peut-être l'occasion de le relancer. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Voilà, merci à tous d'avoir été présents pour cette séance anniversaire spéciale coaching. Rendez-vous à 11h pour l'analyse du marché. Et pour ceux qui ne veulent pas nous rejoindre, eh bien, bon week-end et bonne continuation à vous. Ciao !